Coucou, on est le vendredi 8 mai, voilà, c'est un jour férié et je suis en vacances donc du coup je travaille pas, hein. Mais des fois moi les jours fériés je travaille donc c'est encore meilleur. Déjà un, je suis en vacances et deux, c'est un jour férié, voilà. Quoi de neuf, alors j'ai envie de faire plein de trucs, je me prépare plein de trucs dans ma tête et les journées passent, je me dis on est déjà vendredi et... Et il n'y a pas tant de choses que ça de fête. Mais bon, j'ai quelques petits trucs de fête. Hier, il n'y a pas eu de petit bonheur du jour. Parce que... ma box, elle a pas marché. Et puis, mon téléphone, j'arrivais plus à recharger. Je l'avais laissé brancher je sais plus combien de temps. Et bon, là, j'ai retrouvé une autre prise. Ça a l'air de refonctionner. Camille, elle en avait une dans sa chambre. Bon. Ça a l'air de fonctionner, on verra bien. Au pire, j'irai me racheter une prise, hein, voilà. Mais sinon, ouais, hier, c'était le cumul de... et la box et le téléphone. C'est la loi des séries, hein. Des fois, c'est comme ça. Je vous ai fait un petit tuto dans lequel... c'est pour mettre des sachets thé, j'ai retrouvé ce thé-là. Et bah, du coup... je suis en train de m'en faire un. Moi, j'ai mis du lait avec, hein, c'est meilleur. Enfin, je trouve que c'est meilleur. Chai latte... La thé, c'est le lait, quoi. Donc, si on met pas de lait, c'est pas tout à fait pareil. Quoi d'autre? Ce matin, grand ménage. Voilà, à la maison. Camille revient le 12, le mardi 12. Donc, je me suis dit, il serait peut-être temps de m'occuper de sa chambre un petit peu. Parce que, des fois, on mettait des trucs qu'on trouvait, hop, on fout dans sa chambre. Voilà, on avait défait les couettes, les draps, les machins. Et, enfin, les couettes, hein, pas 50, hein, une couette, hein. Mais voilà, on avait tout comme ça. On a découvert que Niji avait vomi dans la chambre. Donc sur un petit tapis, il y a un tapis rose là, tout doux. Alors il faut que je vais le passer à la machine. J'espère que ça va pas trop l'abîmer. Mais on n'avait pas fait gaffe. Hein. Enfin, moi dans la chambre, j'y vais pas. Camille n'est pas là, j'y vais pas quoi. Et un petit vomito là qui date de je ne sais pas quand. Donc ça fait plaisir, donc lavage du sol, tout ça, enfin tout est rangé, je suis contente. Du coup j'ai fait à côté mes toilettes, ma salle de bain, voilà c'est très intéressant, mais moi je suis pas une accro du ménage, mais quand je fais je suis fière de moi, voilà, et je le dis. Je dis pas que je nettoie mes toilettes une fois tous les ans, hein, non plus, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais c'est pas... Il y en a, ils aiment ça, ils aiment passer l'aspirateur tous les jours, ils aiment passer la chiffonnette tous les jours... Moi, c'est pas du tout mon cas. Hein. La vaisselle, des fois, elle est même pas faite tous les jours. Hein. Pour vous dire la vérité, des fois, c'est pas trop trop ça. Je suis super contente pour parler d'autre chose. Je suis super contente sur le groupe. Vous avez tout refait. Mais ma boîte, mes cartes, mes machins, vous refaites tout. Donc, c'est génial. Ça fait plaisir. Hein. Voilà. Je regarde. Je vois peut-être pas forcément tout. J'essaye de mettre un j'aime au fur et à mesure que je vois, mais des fois je passe et je fais mince, faut que je remonte, j'ai pas mis le petit j'aime, mais je peux pas mettre un commentaire partout, hein. Donc je vous remercie tous ici, toutes les personnes qui republient des créations suite au tuto et tout sur le groupe Facebook, ça fait super plaisir en tout cas. Voilà, voilà, comme d'hab, hein, je vais finir ma vidéo en vous disant que faut que je range mon bureau. Voilà, ce matin j'ai fait quelques petits essais et je suis quand même pas mal contente de moi, donc il n'y a plus qu'à faire les vidéos maintenant, voilà, parce que bon, il y a toutes sorties, hein, la table de rainurage, le massicot, les agrafes, les perfos, les machins, enfin, j'ai plein de trucs là, des petits bouts de papier coupés, ratés, des machins, des essais ratés. Voilà, vous savez ce que c'est. Hein. Mais avec mes chutes, par exemple, ces chutes-là, je peux refaire des petits nœuds. D'ailleurs, on m'a demandé une vidéo sur les petits nœuds que je vous avais montré. Je veux bien vous en faire une, mais... Enfin, on va utiliser le dies. Enfin, bon, je vous en ferai une quand même pour celle qui hésitera à acheter le dies ou pas, pour voir si ça vaut le coup ou pas. Ouais, je vais vous faire ça, là. Juste après, je vais vous faire ça. Je suis tout en vous parlant, je réfléchis. Et oui, autre petit bonheur, j'ai quoi là, du chocolat, j'ai du chocolat, autre petit bonheur du jour, j'ai In Love Art qui m'a relancé pour un partenariat, donc
Il me propose de choisir pour 40 euros de matériel. Je vais pas refuser. Hein. Et puis, j'ai vu qu'ils avaient des... Ah oui, j'ai vu des nouveaux trucs là. Je me suis dit, ça me tend très bien. Donc, ce soir, après manger, je vais mettre sur l'ordi. Et je crois que je vais faire la petite commande tout de suite. Voilà, plus vite ça sera fait, plus vite je vais le recevoir. Hein. Donc, voilà. Mais enfin, il faut que j'attende le mail. Parce qu'il m'envoie un mail pour me proposer. Après, je dis si oui ou non, je suis d'accord. Puis après, il m'envoie... faut que je fasse ma commande et eux ils vont m'envoyer un lien pour que ma commande elle soit à 0 euros quoi. Voilà. Donc je suis super contente, c'est cool. Je vais commander des nouveautés, même si ok, pas de polémique hein, sur ma chaîne. Hein. Ok, il faut faire marcher petite entreprise française, tout ça, mais bon, faut reconnaître que c'est pas cher. Il y a du pour et du contre, hein, voilà. Donc mon budget. J'ai été voir sur je sais plus quel site. Je sais plus si c'est Fort en Scrap ou si c'est une autre. Oh, je sais plus. Et ah bah voilà, bravo. Ah je sais plus. Et une planche de tampon. 12 euros. Alors, à moins d'avoir un gros coup de cœur sur cette planche. À la limite, sur des planches avec des mots, pourquoi pas, vous voyez, joyeux anniversaire, merci. Des trucs comme ça, pourquoi pas. Mais pour des choses, en plus, moi, vous avez vu, j'utilise pas tellement les tampons, mais je croyais que c'était quand même pas donné. Enfin, j'avais si, deux, trois fois, j'ai acheté des tampons chers, moi, quand même, il faut avouer. J'avais acheté sur... j'ai tout perdu. J'ai tout perdu les noms. Quand j'étais à... Ah, attendez. Miss Créa. Ouais, je crois que c'est Miss Créa quand j'étais à la foire de... À la foire de Paris, n'importe quoi. À version scrap. Pourquoi la foire de Paris? J'avais acheté des tampons quand même pas donnés. Mon florilège design aussi, il n'était pas donné, mais c'était un tampon bois. Et en plus, là, il n'y a qu'un motif. Vous savez, le grand, là, avec tous les motifs. De temps en temps, oui, mais un coup de cœur, voilà. Mais après, je trouve que ça fait un peu cher. Mais bon, du coup, bah là, ils m'ont proposé. Hein. Moi, je n'ai pas refusé. C'est toujours... ça fait toujours plaisir et c'est toujours des petites découvertes assez sympas pour pouvoir vous faire des tutos un peu différents. D'ailleurs, s'il y a des dice de nœuds, je reprendrai des dice de nœuds, enfin, si je les ai pas, parce que j'adore ça, vous voyez, j'ai ressorti mes grands aussi, hein. Grands, pour faire les nœuds. Je sais pas si je vous les avais montrés, j'ai refait une autre boîte, mais ceux-là, c'est des grands. Ouais, je suis trop contente. Surtout ceux que j'ai fait en bicolore là. Regardez, j'ai fait doré et uni. Enfin, doré et motif. Et son contraire. Voilà, je suis. Alors, il n'y a plus qu'à piocher. Voilà, qu'est-ce que je prends. Même ceux-là, même les bleus là, je les trouve trop mignons. Bon, je les ai fait en simple. Hein. La plupart du temps, je les ai fait en simple. Mais bon, je vous en parlerai si je vous refais un tuto nœud, alors il faut que j'arrête de parler. Voilà, je vous fais à tous et à toutes des bisous. N'oubliez pas de me dire, vous, en commentaire, qu'est-ce qui vous avait plaisé aujourd'hui. Voilà, le déconfinement, alors, le déconfinement. Alors, Île-de-France, on est rouge, mais on aura plus de trucs que les autres rouges, parce que c'est l'Île-de-France. Hier c'était un peu compliqué, enfin c'était pas si compliqué que ça. Je comprenais un petit peu ce qu'il disait au fur et à mesure. Mais au final, la conclusion, dans ma tête, c'est un peu embrouillé encore. J'ai un peu peur de ne pas avoir tout compris. Voilà. Bon, bah, peut-être que vous avez tout compris de A à Z. Bah, tant mieux pour vous, mais moi j'ai pas tout compris. Il y a beaucoup d'interrogations, comme par exemple. Mardi, Camille, elle revient sur Paris. Voilà. Elle va prendre le train Rouen, Haussmann. Jusqu'à là, ça va. Nous, on aimerait bien aller la chercher à Haussmann. Au moins une personne. Pas nous deux, mais est-ce qu'on a le droit? Voilà. Est-ce qu'on a le droit d'aller chercher C'est pas aux heures de pointe. Je crois que les heures de pointe, c'est le matin entre 7h et 9h et le soir, je sais plus quelle heure. C'est vers les heures du midi, nous. Midi 13, 14, enfin, je sais plus trop. Et bah, est-ce que
Est-ce que mardi 12, vous pensez que je vais pouvoir aller de la banlieue 94 jusqu'à Haussmann pour aller chercher ma fille? S'il y en a qui savent, dites-le moi. Si parce que franchement, j'ai pas compris si j'avais le droit ou pas, quoi. Parce que ça fait moins de 100 km, mais en même temps, c'est les transports en commun. Donc je suis perdue. Voilà, je pense que je vais appeler la gendarmerie ou enfin la gendarmerie un truc, je sais pas, faut que j'appelle un truc pour savoir. Vous avez pas un numéro qu'on peut appeler, je sais pas moi, où j'appelle directement la SNCF ou je sais pas. Franchement, je sais pas si j'ai le droit d'aller la chercher à la gare d'Haussmann. Haussmann Saint-Lazare. Gare Saint-Lazare plutôt. Si je dis Haussmann parce que ma station de RER pour aller la chercher, je m'arrête à Haussmann Saint-Lazare. Mais elle arrive à la gare Saint-Lazare. Donc, je m'interroge. Voilà, donc j'espère que vous n'êtes pas inquiétés, qu'il n'y ait pas eu de vidéo hier soir, ce matin. Mais ce matin, franchement, j'étais dans l'incapacité de vous mettre. Et comme par hasard, j'avais pas programmé de vidéo. Pourtant, j'avais 3-4 d'avance. J'avais rien programmé pour ce vendredi. D'ailleurs, oui, sur mon calepin, je vous l'avais dit, j'avais rien programmé. Et ben voilà, j'aurais dû. Comme quoi, hein, les imprévus, ça arrive tout le temps. Bon, ça fait 2 fois, 3 fois que je dis je vous laisse, mais là je vais vous laisser pour de bon parce que mon petit thé commence à être température idéale. Donc je vous fais à tous des bisous. N'oubliez pas, vous, de lire les commentaires des copains, des copines, de les commenter éventuellement. Une interaction entre vous, c'est sympa aussi. Et de me mettre de vos petits bonheurs de la journée ou d'hier ou vos projets ou tout ce que vous avez. Une recette, vous voulez partager une recette, partagez-moi une recette. Tout ce que vous avez envie de partager, vous me le partagez en dessous. Ça fait des petits bonheurs pour tout le monde et ça fait du bien. Voilà, je vous fais des bisous, je vous laisse et je vous dis bah à demain.